Bonjour à tous, c'est Revanzmin et ça y est, c'est l'heure du bras de fer. Alors, confrontation, mon roche noir, les deux boss épiques du mon roche noir règle leur compte une fois pour toutes, avec votre aide. Bon bah on va se foutre sur la gueule bien fort, ça va être bien. Mais je vais pas mieux depuis la dernière vidéo. Hein. Quand je dis que je vais pas mieux, c'est la santé mentale, tout ça, voilà. C'est bien cette table en chaîne, mais c'est pas pratique parce que ça absorbe pas des masses les chocs. Là, ça doit résonner dans le micro quand je fais ça. Je suis désolé d'ailleurs, avance. Mais bon, m'en fous un peu. Parce que moi je suis derrière. Oh, c'est au montage que je vais rigoler. Ragnaros, nice. Ils ont amélioré le design de Nefaria. Moi je dis Nefaria. Ouais, pour chaque dégât subi par votre héros. D'accord. Ça c'est un peu cher. C'est un petit peu cher. Je suis désolé, mais c'est pas pour moi pour l'instant. Ah, mais sans déconner. Comment je vais faire ça, moi? Deux chiots du magma, d'accord. Trois points de dégâts. Pour chaque dégât subi par votre héros. Ok, bah tu te grouilles, Miseletto. Miseletto, pardon. Un italien. Bonjour. T'as fait quoi? Place un serveur aléatoire de n'importe quelle classe dans votre mail, écoute 0 critères. Ah, j'aime bien. Oh, magma rangé. Oh, la monnaie transforme votre pouvoir. Oui, ça c'est pas mal ça. What? Premier tour, il me joue une putain de 7-7, sans des. Contemplez la véritable. Au secours. Mais il a sorti d'où ça? Et comment il a 4 mana? Putain, il a déjà 5 mana, mais c'est pas juste, je suis dans la merde. Ah, mais par contre, ça, je vais pouvoir le sortir ultra vite en fait. Tant que c'est trop près. Vous avez infligé un point de dégâts à tous les autres serviteurs au début du tour, donne plus 4 à votre avis. Au secours. Au secours, ça fait mal. Aïe. Alors, râle d'agonie invoque l'empereur Torisan. Bien joué. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est quoi ça? What? Trop bien. Je vais faire sortir encore, m'en fous. Je vais faire sortir les trucs. Ah, dommage. Deux chiots de magma, j'ai 5 points de dégâts. Putain, comment tu veux que je fasse ça? Ah, j'aurais dû faire ça. Ouais, je le ferai au prochain tour, tant pis. Aïe, 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 aïe. Il y a un truc à faire? Je cherche un truc à faire là-bas. Bah enfin! Aïe! Au secours! Je suis mort! Bon bah ça on va mettre déjà. Piochez deux cartes et vous donne 4 points d'armure. Deux, donc tu vas me dégager ça. Aïe, je sais pas si c'est possible de gagner comme ça. Oh putain, ouais, bien joué. Le dragon a gagné, et merde. Ça, je peux en faire 2 ou 3, je pense. Aïe. Aïe. Contemplez la véritable puissance. Tout à l'heure, ouais. Allez, bouffe. Allez, on recommence. On recommence à se faire défoncer.
Je sais pas comment on peut gagner avec ça, en fait l'autre il a 5 mana à l'avance. Eh, je suis pas tombé contre Trishor McTrish. Oui, oui. J'adore le design de ce dragon, il est magnifique. Donc je commence à 4 mana. Bon, tu gagnes plus 2 à chaque fois que votre adversaire joue une carte, inflige des dégâts à droite, détruit un serviteur allié, inflige des dégâts équivalents. Ok. Putain, mais c'est qu'il est violent le deck de Nefarian. Salutations. 4. Ton citron brun. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Ça commence bien. Remplis le plateau de dragonnet, mais oui. J'entends votre cœur, émetteur de boules. C'est la concentration maximale. Ça fait quoi ça? On peut toucher d'autres rues? Non, c'est pas ça. Merde. Merde! J'ai fait couler le marteau! Oups! Merci! Merci! Émission du gaz! Invoque de dragonnet 2-2, remplis le plateau. Hop. Le pouvoir de Ragnaros, je te tiens la force. Ta gueule. Émetteur de boules puantes activé. Voilà, Ragnaros, on s'en est débarrassé. Ouh. Attendez. Encore? Il revient encore? Ouah, trop bien. Trop bien, ça me fait des armes en bas. Je suis en train de bourrer en bas à gauche, ça me fait des... Ah. La véritable émission du gaz. 7. Avec des dragonnets de 2. Inflige 3 points de dégâts à un serviteur, invoque 3. Bah bouffe. Bon, eux, ils tiendront pas au prochain tour, je m'en fous, mais voilà. C'est n'importe quoi. Mais là, c'est pas équilibré. Il y a un problème d'équilibrage, là, les mecs. Lance corruption sur tous les autres serviteurs. Ah oui, d'accord, au début de l'entretien, il est détruit. Ok, d'accord. Bon, tu m'attaques? Oh mais merde. Donc 2 3. Inflige 2 points de dégâts à un serviteur et 1 point de dégâts au serviteur adjacent. Donc ça tu dégages. Merde, j'ai pas assez. Attaque. Ah j'ai pas assez, je me suis planté. Ah mais j'aurais dû faire ça en plus. Je suis trop con, je suis vraiment trop con, je fais que des erreurs. Provocation. Chaque fois qu'un joueur joue une carte, inflige 2 points. Lui inflige 2 points de dégâts. Quoi? Attends. Chaque fois qu'un joueur joue une carte, lui inflige 2 points de dégâts. D'accord, donc ça va être gênant. On va faire ça déjà. Invoque 2 araignées 1-2 avec toxicité. On va le freiner un peu. Aïe. On va le freiner un peu.
pense qu'il va essayer de s'en débarrasser de mon magmatron. Parce que là, je peux me débarrasser de sa provoque avec les arachnées. Comme, putain, elles sont... Ah, les veuves de givre, qu'elles sont horribles, les veuves de givre. Mon dieu. Bon, j'ai fait couler le marteau. Ah, ah oui, d'accord. C'est quoi la prochaine arme? Ouh, joli. Ouais, je martèle, je martèle. Non, je veux pas ça, c'est moche. Jouons la première. Ah, c'est le bouclier qui m'a changé, d'accord. Ah, merde. Attends. Le tour de Ragnaros inflige... D'accord. Donc ça, on va faire ça. Ensuite, détruire un serviteur allié, infuser les gars qui veulent... Voilà, ça va bien. Bon, tant pis. Là. Je croyais que c'est infligé aux joueurs, mais bon. Putain, mais il faut que j'arrête de faire des erreurs. Moi, je suis en train de me rendre compte du nombre d'erreurs que je fais. C'est une catastrophe. Libère les insectes. C'est 6 points de dégâts? D'accord. Ah, c'est rempli le plateau, c'est des deux côtés. Ça sert à quoi? Autant jouer Onyxia, c'est plus intéressant. Je suis là, mais. Aïe. D'accord, je suis dans la merde. Remplir le plateau de dragonnet. Des dégâts équivalents à leur attaque. Non, ça sert à rien là. Là, ça sert à rien là pour l'instant. Vous allez voir, je vais perdre avec ça aussi. Là, ça sert. Là, ça sert là par contre. Ça m'étonne, mais. Ça va, il l'utilise pas. On va faire ça déjà. Ça fait quoi? Piocher deux murlocs dans votre deck. Oui, utile. Voilà, hop. Voilà, ça n'a rien pioché. Pas de meilleure idée là. J'ai pas de meilleure idée. Faut que je arrive à lui infliger 4. Si je lui inflige 4 à lui, je peux fighter le mec derrière. Et encore, ça le reste à survie chez moi. Mais lui, il est détruit. Corona Nivrebiel. Nivrebiel, pardon. La vogue de 3 élémentaires. Ça fait des dégâts, putain. Sans déconner. Faut que j'inflige 4 à ça et 4 à ça. Rien à ça. Je suis dans la merde. Furie des 1, 4, 5. Bon, tu me laisses jouer un peu là, Maurice. Je sais que je suis chiant avec les trucs autour, mais bon, c'est la même. Cette bouée, par contre. Aïe. Aïe, merde. Bon, un peu de monde, ça va. Mais je peux pas lui infliger de dégâts, sur ci, ça me gonfle. Pourquoi? Hein? Ok, merci. Bon, attends, donc déjà on va faire ça. D'office. Vous piochez une carte, en ajoute une copie dans votre main. Bon, ok, c'est intéressant. Donne plus 4 d'attaque à votre héros, gagne 4 points d'armure. Donc, on va faire. Déjà. Dans quel ordre je vais faire ça? On va faire ça. Ok, je pense que je suis pas mal là. Là, je pense que je suis en train de remonter. Ça va être difficile. 16 cartes, 12 cartes. Ça va être très difficile.
Putain, la vidéo commence à être longue en plus. Chier. Et à cette fois. Ah bon, ok, il a éclaté. Aïe Non, ça fait rien. Non, ça fait rien. Ah, ah. Ouh, un œil. On est observé. Donc, au prochain tour, je me débarrasse de ça et je le fight elle. Non, je me débarrasse de ça aussi. Oh mais non. Connard. 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 Non, connard. Je me bats. Non, remonte. Non, remonte. C'est quoi? C'est quoi si je tourne le truc? Merci. Ok, prochain dragon pour lancer coûte 2 cristaux de moins, je m'en fous. 2 plus 1 plus 1 au serviteur. Donc on va faire ça. Déjà on fait ça. On fait ça. Ensuite on va fighter lui comme ça. Et lui comme ça. Ok, ça va être complexe, mais vraiment complexe parce que je suis pas dedans, on va dire. Et la règle. Aïe. Il est violent en fait. Invoque un serviteur légendaire au début de votre tour. Pourquoi j'ai pas eu ça la partie dernière? Sans déconner. Mais la non-chatte absolue. Invoque 3 recrues de la main d'argent, équipe d'une arme 1-4. Super. 4. Fais chier. Au rapport. Chier, chier, chier. Je suis mort, de toute façon, j'ai pas de solution. Soumettez-vous à la puissance de la cabale. On s'en va. Non mais pourquoi j'ai pas eu ça moi tout à l'heure, fais chier. Même là il est d'accord avec moi. Bah parfait. Oh mais merde. Ça va être compliqué. Ça va être méga compliqué. 25, oui là ça va bien. Je prends pas de dégâts si vous avez un dragon en main. Comment tu veux que je fasse ça pour ça? Il y a un serviteur, donc on va faire ça. Ah mais merde, ah putain, je suis trop con. Je suis trop con. C'est pas un dragon ça. Ah bah autant que j'abandonne. Hein. Alors là, j'ai tout foiré. Non, mais. Au combat. Allez. Au combat. Bien joué, fin du tour. Et. On va le laisser finir. D'accord. Ah, j'ai ramené le marteau. Bon, ben, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre vidéo. Je vais continuer le bras de fer tout de suite. Pour vous, je pense que ce sera aussi tout de suite. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Hearthstone pour essayer de gagner ce truc. Je vais essayer de me réveiller, ça ira mieux après. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis en pouce bleu, en pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, c'était Revanzmi.